L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. Non. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une vague qui ébranle profondément nos démocraties. Au vu de leur score, il est désormais évident que le pays veut tourner la page de l'ère Macron. Et cette page ne doit pas se tourner avec le Rassemblement National. Alors ce soir, l'extrême droite est largement en tête. C'est la victoire du mensonge, du cynisme et de la fragmentation. C'est plus qu'un coup de semonce. Il est temps de sonner l'alarme. Sous peine de préserver, de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le président de la République obéit à Jordan Bardella et que cette dissolution, c'est l'ultime acte d'un pouvoir totalement irresponsable qui n'a aucun sens des institutions et de la gravité du moment qu'on traverse. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne.